C'est le ton dont on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Shadow of Mordor. La dernière fois on s'était arrêté après être venu de la nouvelle zone Uno, je crois. Je crois qu'on est à Uno. Et on devait visiter toute la map. Donc j'ai visité toute la map et voilà ce qu'il y a. Là c'est juste des artefacts que j'ai pas pu chercher parce qu'on est dans une forteresse et c'est assez chaud de trouver. Ça je peux pas parce que j'ai pas encore les capacités, ça aussi, ça aussi. Et ensuite, on va commencer par cette mission, gros gibier. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, parce que moi oui. Et c'est parti pour la mission, avec le nain. Donc j'espère que ce let's play vous plaît, hein. Moi ça me fait plaisir de le faire, j'aime bien ce jeu. Capitaine parmi nous. Alors, pas de bêtises, hein. Quand le capitaine arrive, on aiguise les épées. Et on veille à avoir des bottes bien brillantes, hein. Alors, dis-moi, capitaine, tu as déjà chassé un grog? Un grog à ce que tu m'as promis? Ouais. Et pas n'importe quel grog. Le plus gros que j'ai jamais rencontré. On doit se préparer. Je peux vraiment sortir. J'ai été bien entraîné. Ma chienne, Silver, était bien entraînée. Avant de se faire dévorer par un warg. La chasse, ce n'est pas une question de règles, capitaine. On va pas se mettre en ligne et laisser quelqu'un jouer avec nos vies. Il faut de l'instinct et des tripes. Et comme tu peux le voir, je m'y connais un peu dans ce domaine. Tu veux apprendre à chasser? Viens avec moi. La chasse est aussi une bête qu'il faut apprendre à dompter. Leçon 1 de la chasse au Caragor, ne pas mourir. Ils vont nous servir à quoi? Ce seront de bonnes montures pour notre chasse dangereuse. C'est pas ton grade qui impressionnera ces bêtes. Pour elles, on a tous le même goût. Après avoir chassé, capitaine, tu seras un autre homme. Peut-être quelqu'un de meilleur. Mais ça, c'est pas gagné. Quand je chassais les wargs, j'ai vite compris leurs habitudes. Mais les Caragor, ah, ces saletés sont d'une autre trempe. Il m'a presque fallu un an pour les comprendre. Les Caragor, ces saletés détestent l'eau. J'ai voulu faire traverser une rivière à l'un d'eux, mais il s'est sauvé en escaladant une falaise, avec moi sur le dos. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour éviter un bain? La chasse est ma maîtresse. Belle, passionnante, communicative, et beaucoup moins ennuyeuse que ma femme. Qui n'a pas chassé n'a pas vécu, capitaine. La chasse change le parfum de l'air. Ça lui donne... Attendez, je vais faire un petit réglage. Que je vois que ça lag un peu, donc c'est ça que je vais baisser. Et ça, ça devrait être bon. Après, il faut que je mette blablabla, patati patata. Une odeur de triomphe. Bon, alors ça marche tout de suite. Rodor, par ici! Ça a l'air de marcher tout de suite, c'est bien. Celui-là a l'air assez agressif. Inutile d'essayer de surprendre un Caragor. Il flairera ton odeur à 1 km. Que proposes-tu alors? Qu'attends-tu pour te présenter? Vois s'il accepte de t'emmener en balade! Alors. Quand un Caragor te charge, tu as deux solutions. Le renverser. Laisse cette saleté te charger.
Si le Caragor t'amoche, c'est que tu y es presque. S'il te tue, c'est que t'as fait une erreur. Hop là. J'ai appuyé pourtant. Tu monteras pas un Caragor du premier coup. Je me suis fait esquinter avant qu'on m'amène. Voilà, voilà. Oh, il est différent le sien. Allez, je te suis. C'est à peu près le temps qu'il m'a fallu pour en dompter un. Tu dois avoir ça dans le sang, capitaine. Tu t'en es pas trop mal sorti. Où est-ce que tu t'es entraîné, capitaine ? Je vivais à la Porte Noire. La Porte Noire ? C'est sympa. Ça a l'air déprimant. Allez, donc ça, je viens de débloquer une compétence, effectivement. Tu as dompté la bête. Voyons si elle va combattre pour toi. Ça, par exemple. Même la bête la plus farouche peut servir une bonne cause. Tu chasses à Nurnen depuis longtemps, nain ? Depuis des années. La région était plus luxuriante. À présent, une ombre s'étend lentement. Oh. Comme sur tout le Mordor. Il est tellement beau le sien. Mais l'ombre pimente un peu la chasse. D'accord, tu sais monter un Caragor, mais tirer en même temps. Laisse-moi les hommes pour ça. On est d'accord. Le monde était jeune et les montagnes. Voilà. Allez, c'est parti. Vous avez entendu ça ? Allez, explose le feu. Le feu, il veut pas exploser. Explose, bordel. Ah ouais, c'est pas grave, hein. Voilà. Voilà. Maîtrise les bases. Allons nous occuper d'un autre groupe maintenant. On va trouver un autre camp pour une dernière étape. Voilà, donc je... Alors, tu es à court de leçons ? C'est fini les railleries ? Tu vas devoir réfléchir vite et bien. Face au Grog, tu ne pourras pas toujours compter sur mon aide. La chasse repose sur la discipline, la capacité à repérer le bon moment, sans attendre qu'on vous l'indique. Un jour, j'ai suivi une aigle géante jusqu'à son nid. J'ai décidé de lui laisser la vie sauve, avant même d'être projeté sur les rochers plus bas. Ok, voilà, je dois m'occuper de ce camp. On va devoir s'occuper de celui-là. Allez, go! C'est parti! Oula, désolé, je me concentre un minimum. Oh.
pas que mon cargo en main. Voilà. Voilà qui est fait. Un problème avec ta lame? Tu en as manqué un! Arrête-le ou il va rameuter les renforts! Thorvin est trop silencieux. Il doit y avoir un problème. Rejoins-le, Talion. On devrait peut-être suivre le chasseur. Ouais, c'est parti. Tu feras un très bon repas, nain. Thorvin a besoin d'aide. Allez, voilà. Voilà ce qu'est pour la chasse. Je t'arrête tout de suite. Je l'avais. En quoi monter sur des Karagors m'aidera à tuer des Grogues? Toutes ces questions, capitaine. Je croyais que tu devais suivre les ordres. Tu mets ma patience à l'épreuve. Sois attentif et apprends à respecter la bête. Il faudra être grand et fort comme le puissant Grogue. Souviens-toi, la chasse, le respect se mérite. Et qui sait, peut-être qu'il t'appellera monsieur. N'importe quoi, il est trop délire. Je crois que dans cette vidéo, on va faire que des missions du chasseur. Ce nain est loin de chez lui. Ceux qui errent ne sont pas tous perdus. Ouais, on va retourner. Ah, il est juste là, d'accord. Allez, on va les faire partenaires de chasse. Ce sera une vidéo spéciale avec les missions du chasseur, hein, faire la mission vraiment principale. Ah, amélioration. Non, je peux rien améliorer. Comme vous voyez, j'ai bien amélioré depuis la dernière vidéo aussi. Hein. Ça va être gratuit aussi. Il y a quelqu'un. Allez, c'est parti. Désarmez-le! Concentration. Voilà. Et au-dessus, on va attendre. Ah non, on va plus le vol, je viens de quitter le lit. J'ai besoin de tes informations. Tu finiras par obéir. Voilà. Allez, c'est ici. Le grand grog blanc, d'accord. On va toutes faire les missions du chasseur dans cette vidéo. Hein. Elle sera peut-être un peu plus longue, mais c'est pas grave. J'espère que tu n'es pas répugné par mes cicatrices. Non, pas du tout. J'en ai quelques-unes, moi aussi. Dis-moi, quel genre de blessure tu as rapporté de la porte noire, hein? Tes échardes? Oh, est-ce que tu t'es abîmé la voix en ordonnant à tes soldats d'aller combattre? Arrête, s'il te plaît. Les blessures sont bien plus profondes. C'est le puissant Grog qui m'a fait ça. Et il a aussi... tué mon partenaire de chasse. Et maintenant? Bien, j'ai une autre leçon pour toi, capitaine. Peut-être même que t'en sortiras indemne. Alors, quelle leçon stupide as-tu prévue cette fois?
tuer des faucons pour nous préparer à affronter le puissant Grog? Tu veux chasser le Grog? Très bien. Mais ce n'est pas n'importe quel Grog. Voilà un Grog. Il est particulier. Il a un instinct territorial et assez de force pour revendiquer des terres. Et toi et moi, nous sommes sur son territoire. Dis-moi, capitaine, est-ce que t'as déjà tué un Grog? Ce sera le premier d'une longue série. Ça, c'est parler comme un chasseur. Mes tripes me disent que tu pourrais même y survivre, capitaine. Eh bien, vu la taille de ton ventre, ça doit me faire de bonnes chances. Alors, tu as un plan pour tuer ce Grog? Bien sûr, capitaine. Et comme tu es très doué pour obéir aux ordres, je vais te le détailler étape par étape. Étape 1. Pendant qu'il massacre un Uruk, tu te glisses derrière ce colosse et tu lui entailles profondément la cheville. Pourquoi pas la gorge? Les Grog n'ont pas d'écailles pointues à un seul endroit. On n'appelle pas un point faible un talon de Grog sans raison. Tu veux que je me faufile jusqu'à cette bête? Si tu y parviens sans te faire écrabouiller, oui. Ah, le voilà! C'est vraiment un magnifique spécimen. Et il va avoir une belle mort. Alors. Je voulais pas repérer, j'étais derrière lui quoi. Ah, le voilà! C'est vraiment un magnifique spécimen. Et il va avoir une belle mort. Voilà. Capitaine, le sang attire les Karagors. Saute sur l'un d'eux avant de les avoir sur le dos. Tu seras alors aussi rapide que le Grog. Pousse-le à te chasser. Je t'attendrai. Ça va être une sacrée chevauchée. Voilà, on attend qu'il y en ait un qui arrive. Il me faut un Karagor pour aller. Allez, on peut faire des Karagors. Voilà. C'est bon. Pendant que toi, tu lui tires dans la tête. Ça m'a l'air assez simple. Monte dessus. Allez. Allez, viens là-bas. Et toi, je tuais déjà des Grog plus gros quand je n'étais encore qu'un gamin et que ma barbe poussait après. Étape 3, tire-lui dans la tête. C'est quoi l'étape 4? Il n'y a pas d'étape 4! Il devrait être mort! T'as dû faire une erreur! Mais ce sont tes ordres que je suis! Ça, c'est ton problème! Réfléchis un peu! Oui. Chasseur orc. Chasseur de...
Allez, concentration. Reviens que je te mange. La vie s'achève avec la morsure de ma lame. Et voilà. On peut dire que... t'as une façon particulière de monter sur un groupe. Rien de tel qu'un peu d'improvisation. Ok, capitaine, c'est bon. Tu as fait preuve d'instinct, de courage, de respect. L'entraînement est fini. Tu as du cran. Allons faire couler du sang. Ouais. Nice. Les ténèbres du Mordor ne semblent pas toucher ce nain. Les 7 anneaux de pouvoir n'ont pas changé les rois nains en spectres comme les 9 l'ont fait avec les hommes. Alors, la mission se trouve là-bas. On va y aller. Ils sont tenaces comme la pierre, et le mal ne peut les dominer. C'est pour cette raison que Sauron a juré de les détruire. Allez, let's go. Je regarde si j'ai tué un Caragor féroce. Ok, mais ça se trouve où ça, un Caragor féroce? Ok, pas que je vienne. Oh, un Grog. Ah, c'est ça un Caragor féroce. Ah non, c'est ça, d'accord. C'est ça, ok. Ok. Ouh, c'était chaud. Caragor féroce tué. Tué un matriarche ghoul. D'accord. Je sais comment faire, mais c'est chaud quoi. Et lâche moi. Allez. Dorvin. Allez, debout, capitaine. Monture mortelle pour un chasseur mortel. Conscient, celui-là à l'écro. Allez. On va devoir le briser. Je crois que ça va te forcer à rester vigilant. Allez, viens. Voilà. Je suppose que tu connais la route. Le tout est de savoir si tu es prêt à la suivre. Quoi qu'il arrive durant la chasse, demande-toi ce que fait Thorvin. D'ailleurs, tu devrais mettre ça en pratique en toutes circonstances. J'espère que l'entraînement entre. Sinon, le puissant Grog t'enverra t'encastré dans un mur. Ok. Je suis prêt à combattre le Grog. Et c'est ce que tu ferais. Combattre, sans finesse. Il ne suffit pas de trancher. Il y a quelque chose de plus grand dans la chasse. De ton point de vue, nain, tout est plus grand. Oui, ce Grog est très très grand. Oh, attends, note-moi. Les Grog sont une des plus vieilles espèces du Mordor, et de loin la plus mortelle. Il y a longtemps que j'ai pas affronté ce Grog. Espérons seulement que le temps l'aura moins épargné que moi. Un jour, avec mon associé, j'ai pisté un Grog du mont Dolmed jusqu'à Nogrod. On a fini par le tuer, mais on est resté coincé 2 jours sous ses pattes. J'en ris encore.
La dernière fois que j'ai vu la bête, c'est quand je l'ai traqué jusque dans son antre avec mon vieil associé. Comment en as-tu réchappé ? Par chance. Le Grog m'avait assommé. À mon réveil, il avait déjà tué mon associé. Si j'avais dû affronter la créature seule, je serais mort. Je chasse ce Grog depuis près d'une décennie. Ça fait beaucoup d'années consacrées à une seule bête. Tu crois ? Ça indique peut-être que tu prêches mieux que tu ne chasses. Ah, très drôle, capitaine. Je n'oublierai pas de rire quand la bête te dévorera. Eh oui, le puissant Grog fera ma légende. Les nains se souviendront longtemps de Thorvin le chasseur. Je veillerai à ce qu'on cite ton nom quelque part. Caragor sont trop calmes. Je crois pas que le Grog soit chez lui. Alors on entre et on attend. D'embuscade ? Ah, on se croirait à l'armée. Moi, ça me plaît. On a bien souvenir, hein. C'est une hache. Elle coupe comme le jour où notre père l'a forgée. Suivons les conseils de Thorvin. Règle 1, peu importe, improvise. Il est trop fort. Je dois attaquer le. Un tir à la tête le désorientera. Thank you.
charge-moi, vas-y. Prends pas comme ça. Charge-moi, j'ai dit. Chargé. Même pas, allez, charge-moi, bordel. Voilà. Voilà. Allez, viens. La prochaine fois, tu me laisseras m'amuser. Oh non, non. C'était la dernière fois. J'ai d'autres proies à chasser. T'auras sûrement besoin d'aide. Qu'est-ce que tu dirais qu'on unisse nos... Non, Thorvin. Je dois le faire tout seul. Si jamais tu survis, rejoins-moi dans les montagnes bleues. Je te présenterai mes amis et on boira jusqu'à plus soif. J'ai vu ce qu'un nain pouvait boire. J'espère que nous nous reverrons. Alors, comment est-ce que je vais te faire sortir d'ici, hein? Je sais que tu n'es pas rentré la nuit dernière. Je suis allé dans les marais des morts par défi. C'est un... Et voilà donc... on a fini l'émission de Thorvin. Et dans la prochaine vidéo, on va commencer la mission principale. Où j'allons... Enfin, qui se nomme le pouvoir du spectre. Ou les pouvoirs du spectre. Je me rappelle plus trop. C'était assez chaud quand même de tuer le Gorgon. Enfin, quand on filme, ça prend du temps pour... chargé, hein. Alors...
C'est long, hein. Ah, voilà. Ouais, trop bien. Alors, pourquoi j'ai rien comme mission là? Ah, si, c'est bon. J'espère que Thorvin pourra rentrer chez lui maintenant que sa chasse est terminée. S'il y parvient, il ne retrouvera pas son chez-lui comme il l'a quitté. Alors, bah, nous allons nous arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et surtout vous abonner à la chaîne. C'était 2ZL pour acheter du HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo!